やっぱり海へ出るんですね、ウソップさん。ああ、決心が揺れねえうちにとっとと行くことにするよ。止めるなよ。止めません。そんな気がしてたから。なんかそれも寂しいな。今度この村に来るときはよ、嘘よりずっと嘘みたいな冒険話を聞かせてやるよ。楽しみにしています。Ne vous est-il jamais arrivé de mentir pour protéger quelqu'un ? Mentir pour faire rire ? Mentir par amour ? Mentir pour faire rêver ? Ne vous est-il jamais arrivé de porter un masque pour protéger quelqu'un ? Porter un masque pour faire rire ? Porter un masque par amour ? Porter un masque pour faire rêver ? Nous, humains, témoins de notre parfaite imperfection, le comprenons mieux que quiconque. Parce qu'il est le plus faible, il est le plus courageux. Le défaitiste qui finira par gagner, celui qui les genoux tremblants deviendra Dieu. Celui pour qui le rire importe plus que la victoire. Celui qui portait autrefois le nom de l'instrument de musique qui n'arrêtera pas de jouer jusqu'à ce qu'un jour, le rêve devienne réalité. こんな俺を信じてくれた俺によ、命の一つもかけて散る方が学校が作ったもんだろ。 Source d'inspiration au quotidien, il est devenu aujourd'hui la principale influence de cette vidéo en prenant vie dans la toute nouvelle gamme de statues Tsume Ikigai, accompagnée de celle qui n'avait aucun pouvoir sur lui, la délicieusement capricieuse princesse fantôme Perona. Fan de figurines, découvrez le numéro 1 de résine dans le monde, Tsume, et sa collection One Piece qui nous permet aujourd'hui de rendre hommage aux personnages que nous aimons tant en vidéo tout en vous les offrant. Car en lui sommeille le plus grand des potentiels, voici le sniper des Mugiwara à son point de non-retour, éveillant son haki de l'observation cachée pour sauver son ami, son capitaine, son roi. Cette instantanée dynamique représente la magnifique évolution de celui qui reste en retrait, celui qui se cache, mais celui sur qui l'on peut compter. Némésis absolue du long nez, la princesse fantôme, elle, également 100% polyrésine, usera de son Holo Holo no Mi pour hanter vos nuits. La chance. Disponible dès maintenant en édition limitée, rendez-vous vite en description pour participer au gigantesque concours sur notre Twitter pour tenter de gagner Usopp et Perona, et surtout pour vous procurer ces statues collector et ainsi faire partie des chanceux qui posséderont chez eux un véritable dieu. Un homme dans tous ses magnifiques défauts, et un enfant qui, assis sur la branche de son arbre, arrêtera de trembler des genoux pour faire de son rêve une réalité, celui de réaliser des miracles. Car le vrai rêveur est celui qui rêve de l'impossible. Oh, Usopp, 今度こそやつをぶちのめすつもりだぜ。よっ、頑張れ、エルマグナ戦士。やばばばばばばばばばばばばばばビッグだぞ。よくやるわ、こんな無駄げんか。無駄げんか言うな。Parce que les vrais miracles sont ceux qui font peu de bruit, il est la discrétion et n'aura pas besoin d'être vu pour aider. En quête d'aucun superlatif, il ne cherchera pas à devenir le meilleur du monde, seulement de lui-même. Le plus faible et le plus lâche, mais le plus humain et le plus courageux. Insignifiante créature, c'est pourtant devant l'immensité qu'il trouva son ambition. Il n'en a peut-être pas la taille, ni la force ou la connaissance, mais il en a le cœur. Par son immense empathie et sa gigantesque générosité, ce rêveur, minuscule grain de sable dans l'océan, est le plus grand des géants. Unique être humain entouré de monstres de puissance, c'est dans sa magnifique imperfection qu'il brillera. Parce qu'il n'est pas le plus fort, il est celui qui comprend les plus faibles, grâce à un pouvoir mystérieux que beaucoup ont oublié. Un pouvoir permettant la lecture de l'autre et de ressentir avec précision toutes les émotions cachées au fond du cœur. Des émotions qui ne seront jamais exprimées par des gestes ou par des mots, et peuvent conduire les personnes les plus sensibles à une trop grande compassion. Car ne vous est-il jamais arrivé de mentir pour protéger quelqu'un ? Personnification même de l'amitié, c'est bien par amour pour ses compagnons que ces mensonges deviendront réalité. C'est en observant l'âme de son ami qu'il rend tangible sa sensibilité envers lui, en extériorisant ses sentiments envers son camarade, qu'il soit fait de chair ou de bois. Ainsi, le Cloud Waterman est l'incarnation de ses sentiments, tant il est le seul à l'avoir vu et à y être sensible. Peut-être qu'il n'existe pas, et est seulement le fruit de sa sensibilité.
Ou alors, il rend tangible ses sentiments et donne vie à son empathie en accordant un aspect réel à ses sentiments. Car c'est bien en l'observant que cet esprit existe et que le miracle se produit. C'est par passion, en l'aimant, que le mythe devient réalité. C'est par amour, en souhaitant son existence, que le rêve se réalise. C'est par empathie, en le comprenant, que le mensonge devient vérité. Un remerciement à l'écriture par l'écriture. Ces mensonges façonnent la réalité de son monde et celui de son auteur. Ils sont le fruit du démon de sa sensibilité et peuvent être liés, dans un souci empirique, à son observation si unique qu'elle permet de donner vie à ses sentiments, de rendre réelles ses histoires et de faire devenir vérité ses mensonges. Outil de son auteur, résilient devant l'adversité, maître de son destin et capitaine de son âme, il ne peut peut-être pas encore voir le futur, mais peut déjà le changer. Après tout, ne serait-ce pas là la plus grande faculté d'observation? Comme avec l'âme de son ami, ses paroles deviennent réalité, et lui, un prophète, une figure divine malgré lui par une observation absolue, un dieu parfaitement humain. Et c'est bien parce qu'il le refuse qu'il le deviendra. Un comique de répétition établi sur 24 ans d'écriture et qui ne cessera de rallonger son nez comme de remplir son rôle, celui de nous faire rire comme de nous faire pleurer. Dis-moi, qu'aurais-tu fait toi à ma place ? Il y a un jour où tu devras te retenir de fuir, un temps où tu devras tenir ta position et te défendre. Ce temps, c'est lorsque le rêve d'un ami est bafoué. Ce jour-là, ne fais que ce que tu peux faire, rien de plus te sera demandé. Quand un ami souffre, tu te dois d'être près de lui, car quelquefois, tout ce que tu as à faire est mettre ta fierté de côté et t'excuser envers celui qui t'a pourtant blessé. Tout cela, c'est à genoux qu'il le comprit. L'impossible est le refuge des poltrons, et pour réaliser son rêve, il devra donc devenir quelqu'un d'autre. Alors que l'adulte est déjà devenu grand, l'enfant, lui, est toujours sur cette branche à raconter ses histoires, refusant de descendre de l'arbre, car il sait que si ses pieds touchent le sol, ses genoux trembleront. Alors, quelqu'un d'autre le fera pour lui. Ne vous est-il jamais arrivé de porter un masque pour protéger quelqu'un ? Immense complexe d'infériorité, c'est par ce manque de confiance en lui et d'estime de soi qu'il n'a jamais appris à compter sur lui-même pour les protéger tous, pour ne jamais les décevoir. Si il ne peut pas devenir aussi fort que les autres, alors quelqu'un le fera à sa place. La honte étant trop grande, l'enfant refusera son propre potentiel pour au final faire ce qu'il a toujours fait, appeler à l'aide. Arrive alors son ami, son grand frère, son super-héros, une figure brave et réconfortante, le meilleur de lui-même, qui descendra à sa place de l'arbre et prendra la mer pour déclarer la guerre au monde entier. Ce rêveur, synonyme d'abnégation, restera dans l'ombre de son masque, qui pourtant fera briller les yeux de ses amis. Il n'a pas besoin d'être vu pour gagner, n'a pas besoin d'être reconnu pour aider, n'a pas besoin d'une statue pour exister. Alors, il restera dans les coulisses, pour que personne ne puisse le voir faible, pour que personne ne puisse le voir pleurer devant ses amis. Un simple spectateur qui deviendra petit à petit et malgré lui acteur. Car telle est sa quête, son ambition, son impossible. Monter sur scène, accepter la lumière, accepter que l'on puisse le voir fort, accepter qu'on puisse le voir sourire devant l'adversité, accepter qu'on puisse l'appeler lui à la rescousse. Car après tout, ne serait-ce pas ce que fait un brave guerrier des mers? Le mensonge te collant à la peau jusqu'au visage, c'est sans même t'en rendre compte que tu as réalisé ton rêve depuis bien longtemps. C'est parce que tu n'as jamais cessé de la faire rire que tu n'as jamais cessé de gagner. Alors, merci d'être cet ami sur qui l'on peut compter. Merci d'avoir montré à l'enfant que nos différences font nos forces, et à l'adulte que l'espoir peut naître du mensonge comme le courage de la peur. Oh Usopp, merci pour tout. Tu n'as pas 8000 hommes derrière toi, tu en as des millions. Car tu ne savais pas que c'était impossible, alors tu l'as fait.